Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tarot qui s'appelle le tarot Madoni, qui est un ancien tarot qui est très très particulier. Donc, il est dans cette boîte cartonnée. Il y a un petit livret en français et en anglais. Les cartes, voici le dos. Le format, c'est un format type carte tarot classique. Elles sont un peu petites. Elles sont d'excellente qualité. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très très bien. Et puis, elles s'étalent très bien aussi. Donc, on va commencer avec les majeurs qui sont très belles. J'aime beaucoup le style très singulier de ce tarot. Alors, c'est un tarot de Marseille. Ce qui veut dire que nous allons retrouver la justice en 8. Et la force en 11. Voilà pour les cartes. Alors c'est un jeu coloré. Et avec ces personnages voilà, très particuliers, ces représentations qui sont singulière. Voilà, c'est le mot qui me vient. Mais j'aime beaucoup le style. Donc, comme c'est à Marseille, on va retrouver donc les mineurs qui ne sont pas illustrés. Et puis évidemment les personnages de cour. Cavalier de coupe. Voilà pour les cartes qui sont d'excellente qualité, hein. C'est vraiment de la qualité supérieure. Le petit livret, donc, qui est en français et en anglais. Donc on va avoir voilà, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Le rapport des lames entre elles, des méthodes donc de divination, des tirages en coupe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tirage en marge. Ok. Un tirage pyramidal. Donc, ça fait beaucoup de cartes, hein. Donc, de quoi faire au niveau des tirages? Qui sont expliqués un peu à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, il date de quand? Il date de 81. Oui, à l'ancienne, donc. Et puis, on va avoir donc la signification de chaque carte avec un mot-clé. Par exemple, la justice, l'équilibre. On va avoir la signification physiquement et moralement.
Exemple, on va prendre le jugement qui est ici. Le jugement, donc l'inattendu, physiquement, il est généralement bénéfique surtout pour les enfants qui grandissent sans problème majeur de santé. Moralement, il apporte un jugement sain qui contribue à l'évolution spirituelle et à la réussite matérielle. Le consultant doit réaliser ses idées sans tirer des traites sur l'avenir. Ce qu'il imagine est viable. L'arcane qu'il a sorti lui prédit un dénouement inattendu mais favorable. Voilà, donc on a ce type d'interprétation. Et avec les arcanes mineures, on va avoir des associations. Exemple, donc le 2 de denier, c'est la carte de l'antagonisme entre deux êtres qui n'arrivent pas à se comprendre et n'ont pas les mêmes idées, surtout en politique. Ils se perdent en discussions interminables et oiseuses et se quittent dos à dos. Voilà, donc et puis avec par exemple le jugement, peut-être aimeriez-vous lui faire entendre raison, etc. Bon, c'est une autre approche qui est plutôt intéressante, enfin ce qui est intéressante, même si on n'est pas obligé donc d'utiliser le livret. Et nous avons la même chose en anglais. Donc un tarot, moi que j'aime beaucoup hein, au niveau des illustrations, il est lumineux en fait ce tarot. Il est original, il a une énergie très particulière. Et puis il est très agréable. Aussi bien à l'utilisation qu'avec ces illustrations, que je trouve personnellement inspirantes. Voilà pour la présentation de ce tarot de Marseille. Alors, vous pouvez le trouver hein, facilement, même s'il n'est plus édité, on peut le trouver donc, sur les réseaux de vente d'occasion, à des prix très abordables. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour des consultations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.